Et salut à tous, ici votre capitaine, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve enfin pour tester ensemble le casque PlayStation VR. Et oui, j'ai réussi à l'avoir il y a un petit moment déjà. Mais il faut dire que voilà, j'y joue pas trop souvent, mais je voulais quand même vous montrer ce que ça donne. Parce que c'est vraiment très très impressionnant. Alors je sais que vous avez un petit écran, quoi, vous avez votre écran d'ordinateur ou votre écran de PS4 pour regarder. Mais honnêtement, vraiment, on a vraiment la sensation d'être dans la peau du personnage. On joue à Batman Arkham VR et on va commencer tout de suite pour voir ce que ça donne. Allez, on est parti, j'ai fait tous les actes, hein, parce que ça... Mais bon, comme je vous l'ai dit, ça fait longtemps que j'ai pas rejoué au PlayStation VR. Je vous expliquerai plus tard pourquoi. Mais on est parti. Oh, coucou maman. Between you and me. Mm-hmm. I think your father was scared too. Hey, why don't we stop for ice cream on the way home? Oui, oui, je veux bien. Je veux bien, je veux bien. Mais putain. Cash, jewelry. Hand it over. Pardon, pardon. Pousse-toi. Je veux voir le méchant, moi. Je veux voir le méchant. Oust. Oh putain, c'est vachement bien fait. On a vraiment l'impression d'être un gosse. Faster. Sir Thomas. Back off. We're trying to cooperate. Oh putain. Allez, c'est la merde. Et voilà. Et voilà. Oh putain. Oh putain. Oh. Ah non, hein. Ah, comme si on savait pas l'histoire. Qu'est-ce que tu veux, toi? You see that kid? That's what happens when you try to be a hero. T'as vraiment une sale gueule. Eh bah putain, ça commence bien. Bon, on fera pas tout le jeu, évidemment. Et je voulais aussi vous dire... Oh, salut Alfred. Je voulais aussi vous dire que j'ai pas les... Ah, les PlayStation Move, hein, je suis sur la manette. Et ça, c'est vraiment dommage. Hein. C'est pour ça, en fait, que j'avais arrêté de jouer, parce que je les trouvais pas, les PlayStation Move. Mais bon, c'est pas trop grave. Hein. C'est vachement bien fait, hein. Franchement, honnêtement. Et là, on est plus grand qu'Alfred. Oulé. Ah, oui, oui, très bien. Merci beaucoup. Ok, on peut faire comme ça. Ah, tiens, la clé. Ah, merci Alfred, c'est gentil. Hein. Alors, ben, avec ça, je vais pouvoir ouvrir. Voilà. Et on va voilà, ouvrir la Batcave. Je suis sûr de ça. Ah oui, on peut se diriger là-bas et tout ça. On peut tourner les machins. Purée, c'est vraiment... Et c'est super sympa parce que quand vous vous faites à 360 degrés, vraiment, vous voyez ce qui se passe derrière vous. Quoi. Ça, franchement, c'est génial. Ah, vraiment, c'est super sympa. Alors, attendez, où je vais là? Ah, et voilà, là, derrière. Oh, j'aimerais bien aller voir la chambre, tiens. Mais je crois qu'on peut pas, monter en haut. On est fixé, on est figé, les pieds figés sur le sol. Mais en même temps, vaut mieux parce que sinon, ça peut faire mal à la tête. Hein. Franchement, le VR, c'est fait pour faire de petites sessions. C'est pas fait pour faire d'énormes sessions gigantesques. Ouais, ok. Un jeu de cartes. Oh. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? Bruce Wayne, XOXOXO. Eh ben, très bien. 1007. Elle m'a fait un bisou. Allô? Allô, maman? Bon, alors. Je sais pas ce qu'il faut faire. Oh putain! Ah! J'ai pas fait exprès, moi. Allez. On descend. Dans la Batcave. Oulé. Allez. Ah oui. Ah merci beaucoup. Hop. Et me voilà. Eh, je suis invisible. Ah, je vois pas mon corps, je vois pas mes pieds. Oh putain. Oh con. Ah, je veux des gants. Ah oui, les gants. Les gants. Dommage que j'ai pas les manettes. Hein. Vraiment, c'est vraiment dommage. Alors. Hop. Allez, je suis désolé si j'ai une voix bizarre. C'est parce que les écouteurs 7.1, là, sur la tronche, on s'entend pas parler. Alors, c'est un truc de fou parce que c'est des écouteurs de super bonne qualité. Hein. Vous avez un son, mais impressionnant dans les oreilles, quoi. Hop là. Allez. Oh, je me... Putain, le reflet, quoi. Ça, c'est cool.
C'est calibré. Très bien. Allez. Ah, le grappin. Super. Ah, on peut tester le grappin. Hop là. En fait, faut viser avec le regard. Hein. Faut pas viser avec la manette. Hein. Ok, c'est calibré. Ok, super. On le range dans la ceinture. Voilà, il est sur la ceinture. Ok, maintenant le scanner. Ok. Et là, on peut tester les trucs avec le scanner. Voilà. Allez, calibre-moi ça, là. Scanner-moi ça. Scanne-moi ça. Scanner-moi ça. Je dis que des conneries. Wow. Après, le casque est un petit peu lourd quand même sur la tête. Hein. Faut pas trop le serrer non plus parce que sinon vous allez avoir mal au crâne parce que ça appuie. Merde, pardon. Parce que ça appuie vachement sur le front. On voit que c'est vraiment le 1.0 quoi de la VR. Mais n'empêche que ça vaut quand même le coup parce que c'est quand même très impressionnant. Comme je vous dis, c'est pas fait pour jouer avec des sessions trop longues non plus. Hein. Vous jouez à toi des sessions de 20 minutes grand maximum. Donc les gens se plaignent qu'il n'y a pas de gros jeux sur le VR, mais honnêtement, on va dire heureusement qu'il n'y a pas de gros jeux. Sinon, on se nerveux très mal à la tête. Mais bon, c'est bien fait. Il faut aussi que je sois absolument en 60 fps parce qu'en dessous, ça vous fait mal au crâne. Là, notamment, on est en 60 fps, hein, il me semble. Et c'est très bien fait. On n'a pas mal à la tête ni rien dans ce jeu, c'est super. Oh putain, c'est vachement chouette. Oh con, c'est haut. Enfin, c'est bas plutôt, putain. Oh, ça s'est fermé. Putain. Alors là, on arrive tout droit dans la Batcave. Hein, tout droit dans la Batcave. Olé, waouh. Putain que c'est magnifique. Oh con que c'est beau. On s'y croirait vraiment, hein. Franchement, on s'y croirait vraiment. Waouh. Frappez le son dans les oreilles, franchement, c'est impressionnant. On a vraiment le son derrière les... Enfin, derrière, comme s'il venait derrière, devant, sur les côtés. C'est vraiment chouette. On voit qu'ils se foutent pas de notre gueule, Sony, sur ça. Alors. Bat ordinateur. Ok. Waouh, c'est vraiment très classe. Et donc il y a plein de touches. Bon, en tout cas, je vais m'arrêter là parce que sinon je vais pas vous spoiler si un jour vous le faites ce jeu et que vous prenez le VR. Mais vraiment, c'est très impressionnant. Allez, coucou Alfred. Bon, j'espère qu'en tout cas ça vous aura plu ce petit test de la VR. C'était vraiment trop court, mais je voulais pas faire une vidéo trop longue non plus. Je sais pas si vous avez remarqué aussi, j'ai changé de logo, on a changé de truc parce qu'on va faire de nouveaux projets sur la chaîne. Ça va être super cool, je pense, d'ici la fin de l'été, la rentrée. J'espère vous pondre quelque chose de très sympa. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo de découverte, voilà, du VR. Je vous ai donné mon avis dessus. Franchement, c'est très très sympa, mais comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pour des... comment dire ? C'est vraiment pour des sessions vraiment courtes, quoi, hein, 20 minutes, pas plus, sinon le casque est vraiment lourd et il est susceptible de vous faire mal à la tête si vous avez le mal des transports ou quoi. Moi, je vous conseille d'y jouer par petites sessions, quoi, genre 20 minutes. Si vous faites plus de 20 minutes, vraiment, ça commence à faire mal. Après, ça dépend le jeu aussi, hein, ça dépend le jeu, je pense. Batpan, il fait pas mal à la tête, honnêtement. Ah, les bat ordinateurs, merde. C'est pas le bon, c'est celui-là. Wouh! Yahoo! Ok. Allez. On fait ça. Olé! Donc là, en fait, on peut voir les modèles des personnages. Oh, c'est super sympa, super sympa. Ok, bon, bah du coup, on s'arrête là. Et je vous dis à très bientôt sur une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous voulez encore voir de la VR ou quoi. Y a pas de souci, je vous ferai d'autres vidéos, soit la suite de ce jeu, soit un autre jeu ou quoi, y a pas de souci. Allez, merci à vous, on se dit à plus. Ciao, ciao.